Déclaration de la communauté Saint-Pierre, ville de Kasumbalesa, par rapport au désordre qui règne chez nous. Nous, présidents et membres réunis au sein de la communauté Saint-Pierre, regroupant les ressortissants du territoire de Sakanya, Kipushi, Kasenga, Pweto, Kambov et Mitwaba, habitant la ville de Kasumbalesa, avons le grand regret de constater que pendant que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se bat jour et nuit pour combattre cette pandémie de COVID-19 dans notre pays en général et en particulier dans notre ville de Kasumbalesa, en déclarant la mesure d'urgence, certaines personnes mal intentionnées, ennemies du développement de notre cher beau pays, la République démocratique du Congo, et en particulier la nouvelle ville de Kasumbalesa, se permettent de poser des actes non acceptables et surtout des sabotages, puis de bafouer l'autorité de l'État par des destructions méchantes et des pillages en cette période où notre pays a besoin de faire disparaître cette pandémie qui ravage le monde. C'est pourquoi nous demandons ce qui suit: le respect total de l'autorité de l'État établi, le respect des droits des autochtones, dont à plus que chaque peuple a sa façon de vivre, car il n'y a aucune civilisation qui dépasse une autre. Enfin, demandons aux élus et notables du Haut-Katanga qui nous suivent de nous appuyer et de multiplier des rencontres avec la population de cette ville pour que la cohésion et le calme règnent chez nous. Profitons de cette occasion, nous remercions le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers notre vaillant gouverneur de notre province du Haut-Katanga, son Excellence Jacques Kiabula Katwe, d'avoir fait le choix à un fils digne de notre communauté Saint-Pierre, à la personne de M. Fulbert Kunda Milundu, au ministère de l'Intérieur et Sécurité, pendant cette période où le pays a besoin des hommes forts et capables de faire régner le calme et la paix sur toute l'étendue de notre territoire national. Pour terminer, félicitons et soutenons son Excellence M. Fulbert Kunda Milundu, ministre de l'Intérieur, pour son élévation à ses postes dans notre province du Haut-Katanga. Que le bon Dieu lui protège et l'accompagne dans ses nouvelles fonctions. Umukinshiwa Tseba, oui, Minapama. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le président de la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, que vive la nouvelle de Kasumbalesa. Nous vous remercions.